Et bonjour à tous, et on se retrouve pour l'épisode 10 sur Tomb Raider 1. Et donc, comme promis, j'ai trouvé le portail qui est juste derrière là, au couloir à droite là. Et donc, j'ai avancé un petit peu, et cette grille là, ce gros portail s'est refermé derrière moi. Et là, je suis, comme vous voyez bien, il y a une espèce de. Une grosse boule, un gros rocher sphérique. Qui menace de me tomber sur la gueule en gros. En revanche, comment, enfin, il me semblait que c'est un. Oui, c'est. Enfin, il me semble que c'est ça. Donc j'ai pas bougé d'un pouce, d'un poil. Et là, le trou me dit rien. Le trou me dit vraiment rien. Là, je vois rien, à moins que on laisse le rocher tomber dans le trou. On va s'approcher déjà, on va ranger les guns, on va s'approcher. Voilà. Est-ce que là il va me tomber sur la gueule ou il va tomber dans le trou? Il va tomber sur ma gueule. On a vu la gueule de Tomb Raider de Lara Croft en plein souffrir de mille maux. C'est ça, je vais essayer de choper le screenshot. Ah putain, trop bien. Ouais, bah du coup, trop bien. Trop bien, oui, trop bien chargé. Trop bien, si on n'était pas loin. On n'était pas loin. Ce que je fais, c'est que je vais faire une ellipse et on se reprend au même endroit. Voilà. Et on y retourne. Donc visiblement, c'était pas ça. Hein. Je restais impassible face à la mort, quoi. Ah, c'était marrant. Bon, du coup, bon, mais on va tomber dans le trou et puis on va bien voir ce que ça donne. Hein. On la laisse venir là. Ah ouais, donc c'était aussi débile que ça en fait. Putain. Moi je me suis galéré, j'étais là. Je pensais qu'il allait y avoir un truc super intelligent et tout. Non, en fait, tout bête quoi. Tout bête. Pour une fois que je cherchais un truc intelligent, en fait c'est trop de la merde. Voilà, j'ai fermé ma fenêtre. Bon. Ah, super quoi, génial. Bon, mais on va aller là. Puisqu'on n'a pas le choix. On tourne. Et bon, je suppose que là, du coup, direct, c'est une, deux et on saute quoi. Oh merde! Ouh putain, ça m'a fait mal un peu. Quel con. C'est compliqué quand on voit pas trop ce qu'on fait, c'est. On sait pas. On sait pas où on va. Bon allez, j'y vais. Putain, ah, en fait, il faut y aller à la. À la Calmos, quoi. Voilà, comme ça, quoi. On se met là, voilà. Ici, là. C'est bien, on fait ça, hop. Voilà, tout simplement. À chaque fois, je cherche la difficulté alors que. Alors qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de difficulté. Alors. Est-ce qu'on va tomber sur un. Sur une connerie? Alors, est-ce que j'active ce truc ou je vais voir d'abord ce qu'il y a en bas? Non, je vais l'activer direct. Ok, j'ai ouvert un truc, je ne sais absolument pas. Mais comment ça se passe? Là, je vais. Voilà. Ah, ben voilà, d'accord. Alors, encore une porte. Je me souviens pas d'avoir vu d'autres portes, quoi. C'est fou, ça. Alors là, je suis. Ah! Ah
Ah, il a pas eu le temps de venir jusqu'à moi. Oh putain, il est encore là lui! Qu'est-ce qu'il fait lui? Où il va? Ah merde, je suis tombé, putain. Ah c'est pas grave. Il y a le truc là-bas. Putain, mais lui, alors lui, il arrive comme un P, il repart comme un P, on sait pas ce qu'il veut. Lui. Je me rappelle une réplique des Kaamelott, tiens. C'est lui. Lui, on sait ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein. Ah! Voilà. Là, il y a une porte ouverte, là. C'était où qu'on était, en fait? Il était où, l'autre PD, là? Ah, c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. C'est là, en fait. En fait, j'étais pas allé explorer ici, ces trucs, là. Et j'ai eu tort, visiblement. Parce que j'aurais su qu'il y a des... Comment savoir si c'est le bon chemin? On suit les chauves-souris à la trace. Parfait, ça, je suis content, c'est la fête. Alors, ici. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Ah, voilà, ça va être le jump, là. Là, ça va être... Le... Comment on appelle ça, là, dans... Merde. Le jump, le... Puzzle jump? Puzzle jump, oui, c'est ça. Dans le MMO, là. Mais putain, j'ai oublié son nom. Alors, ouais, on va y aller tranquillou, hein. Pas se faire de frayeur. Voilà. Comme ça, tac. Oh, c'est bon. J'ai mis les pylônes, ils sont tenus par rien en fait. Il y a un pylône buggé devant nous. Hop. Oh yeah. Motherfucker. Eh, motherfucker. Hop. Ah, mais non, déjà. Putain, j'en ai passé que deux et je me faille déjà. Ah, putain, ça promet. Ça promet, ça promet. Je sais pas ce que c'est ça, pourquoi quand je suis au sol ça bougeote là, mais. Ok. Non, qu'est-ce que tu fais là? Ok. Belle, 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 belle. Par contre, je vais tout en haut, mais je sais pas pourquoi. Hop. Belle. Et ici, ah d'accord, parce qu'il y a un leviette. Il y a un petit leviette. Est-ce que je sauterai pas plutôt comme ça, en fait? Parce que là, j'ai l'impression... Non, c'est trop risqué. Je vais prendre de l'élan, parce que j'ai l'impression que si je me tape... Eh, si je me tape la tête, j'ai peur de me taper la tête au-dessus là. Je me lance. Non, ça va. Parce que si je me tape la tête et qu'elle peut pas monter et que, enfin, qu'elle peut pas s'élever dans les airs. Et... What? D'accord. Oh,
J'ouvre encore un truc que j'avais pas vu en fait, donc c'est pour ça que je dis what. Je suppose qu'il est plus bas, je suppose. Il doit être là. Ou alors il est sur le premier là-bas. Bon, mais je vais sur le premier là-bas. On va suivre la logique du jeu. Je pense que la logique du jeu, c'est ça. C'est sur le premier, sur le truc, oui, ça. J'appelle ça le premier parce que c'est celui-là qui est le plus proche. Ah ben oui, voilà, je l'ai vu. Ah non, c'était peut-être pas celui le plus proche en fait. Bon, bref. Je m'égare, je m'égare. Et là, c'était bien là. Là, je crois qu'il n'y a pas de souci là-dessus. C'était bien ici. Oh, il y a de l'eau. De l'eau. Ça me fait penser à... Ah ben voilà, la porte, elle est toute verte. Non, elle est toute verte. La porte, en revanche, ici, ça sert à quoi en fait? C'est pas pour rejoindre le truc là, moi? Ouais, mais la porte était fermée, j'avais pas la clé, donc... Bon, on va tester, on verra bien. On va voir où ça mène. Oui, ça me fait penser à un jeu... C'était quoi déjà? Un peu comme Tomb Raider, auquel j'avais joué à l'époque, c'était Indiana Jones. Et quand il trouvait une trousse de soins, il faisait... Tiens, là, je vais le faire d'ailleurs. Comme ça, je fais... une trousse de soins. Voilà. Avec un ton assez pervers. Genre, il va se la mettre dans le fion ou un truc dans le genre. Alors, pousser madame ou tirer madame? Non, je vais faire pousser madame. C'est tout! Allez! Voilà. Ok. Ok, je crois que j'ai bouché la sortie en fait. Hop. Ah, ça c'est une clé ça. Ça c'est une clé ça. Putain, la clé. Oh, la clé est énorme. La clé est aussi grosse que ma... Non, je le dirai pas. C'est la clé du temple. C'est cool, j'ai trouvé la clé. C'est genre le truc pour rendre le truc plus mystérieux, plus épique. J'ai trouvé la clé. Ok, donc là j'ai la clé. Et maintenant, je vais aller... Et je vais aller me la foutre dans le... Et non, 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 je vais pas aller me la foutre dans le... Je vais aller... Après cette histoire, ça va tourner au... Au carnage et tout, c'est pas la peine. Au carnage anal. Hop! Voilà. Oh! Oh! Un babouin! Non, non! Me touche pas! Voilà. Salaud! En tout cas, c'était l'arche de Noé ici. Hein. Putain! L'arche de Noé, quoi. Attention au pipic. On va faire attention au pipipic. Voilà. Hop, on va rentrer les guns parce qu'on a un peu d'escalade. Allez, viens là, toi. Viens là, gros rocher. Je vais te ferrer les rochers. Ferrero Rochas. Oui, je dis absolument n'importe quoi et je m'en bats les couilles. Parce que c'est mon let's play et je fais ce que je veux.
Là. Alors là, va pas falloir fail. On recule comme il faut, comme il se doit. Et parce que comme il se doit, elle se doit, pardon. Hop. Yes, motherfucker. Ok, ici, on est bon. Ici, on fait notre petit point chausson pas chassé. Hop. Et 1, 2, et hop, et voilà. Y a pas de nouveau. Des nouvelles petites merdes toutes pourries là. Non. Ah, d'ailleurs, qu'est-ce que. Bah, qu'est-ce que. Ah non, j'ai rien dit. Et alors, la clé, elle sert à quoi? Sert à quoi? Sert à quoi la clé? Vas-y, mets la clé, ouvre. Bon, allez, écoutez, on va aller voir ce que tout cela signifie. Qu'est-ce que cela signifie? Si on trouve, si on tombe sur, oula, oula, il y a plusieurs petits passages là. Ah non, celui-là il est keblo. D'accord, on va reprendre son souffle, on va partir sur l'autre. Voilà, allez, plonge. File Talen. Oh, y a une monstruosité là, y a rien là. Non. Une monstruosité. Mais non. Alors, voyons voir. Allez, go. Vas-y, descends. Oh putain, il m'a suivi ce. Ce Pachydermus crocodilus. Bon, mais là, c'est bloqué. Ah, j'ai vu un truc. Par contre, je vais crever d'une mort. Ah oui, donc là oui, je vais effectivement crever. Est-ce qu'ici, il y a de quoi? Ah bah oui, c'est ça. Ok, monte là. Eh, monte! Putain, elle s'est fait croquer le tétale là. Y a rien ici? Ah si! Y a un levers. Un petit levers. Putain, je me suis fait croquer là par le connard. Je suppose que ça enlève l'eau. Je suppose. Pas du tout. Alors ça ouvre un des portails. Probably. En revanche, est-ce que je peux avoir du soin? Parce que l'autre, il m'a béqué le pif. Hop. Voilà, alors c'est pas là que je voulais aller, c'est de l'autre côté parce que je sens que ça a ouvert un truc. Pas dégueu. Voilà. Je crois que c'était là. Hein. Ou alors je suis revenu en arrière, j'en sais rien. Non, non, ça a bien ouvert un truc là. On est d'accord. On est d'accord. Oh là, je vais où là? Ah, j'ai fini! Ah, mais je voulais aller dans l'autre truc moi. Ah putain, je voulais ouvrir par le. Ah merde! Ah, je pensais pas que c'était un. Ah ben non, alors. On va refaire une petite ellipse et on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Allez, allez, on se le fait. On se le fait. Et hop, petite ellipse. Et j'ai fait un petit bout de chemin là. Et en fait, c'était juste une sauvegarde à la con. Avec un soin. Bon, ça c'est pas mal ça, d'accord. Voilà, en fait, c'était juste ça. Ok, mais ça valait le coup quand même. Moi, j'ai dû refaire un peu de chemin quand même. Ça valait le coup, ça valait le coup. Voilà, maintenant je peux sauvegarder. Voilà. En fait, j'ai chargé une autre fois, puis je me suis arrêté, je suis revenu. Bref.
Et là j'avais sauvegardé, mais j'avais sauvegardé assez loin là. Bon, je me casse. Non, non, il y avait un gorille là, la con. Non, non, pas la peine. Pas moyen, pas moyen, pas moyen. Ça c'était déjà ouvert. Oui, c'est ça, c'est bon. Oui, parce que j'avais sauvegardé juste là. Donc voilà, ben ça c'est parfait. Ben c'est parfait, nous avons fini ça. Et ben c'est bien. Ben oui, écrasé. Ben oui, voilà. Et qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend qu'on va crever là. Ah non, voilà. Bien. La piscine. La piscine du bonheur. On va voir s'il y a du... Du vénère. Il n'y a pas du vénère. Il n'y a personne. Bon. Eh bien voilà. Eh bien ça va être la fin de l'épisode. On a encore bien avancé. Parfait. Bon. Eh bien, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour moi. Parce que ça me permet de continuer d'avancer, la motivation, tout ça. Et la vidéo, forcément, un petit pouce. Car grâce à ça, les vidéos sont remontées. Et donc forcément, plus il y a de pouces et plus elles ont de chances d'être vues. Donc, je vous remercie pour tout. Portez-vous bien. Tchuss.